Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps concernant ma cuisine et je vous avais proposé de faire celle de mon entrée parce que je la trouve très jolie. Et donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur mon entrée que je vous propose. Ça pourrait peut-être vous donner des idées de déco. Donc alors, comme vous pouvez voir, nous avons donc mis sur les murs du lambris, donc ça fait un aspect chaleureux. Donc après, j'ai joué sur les couleurs. Donc j'avais des petits canapés, des petits sofas rouges. Donc je les ai mis dans mon entrée. Ensuite, nous avons le plafond en PVC blanc avec des spots. Alors il faut savoir que cette maison, on l'a rénovée entièrement, mon mari et moi, donc à deux. Donc il ne restait plus que les quatre murs. On voyait donc le ciel et on l'a rénovée en 3 ans. On a tout choisi la déco. Donc le carrelage, les murs, les plafonds et tout le reste. Ensuite, donc dans cette entrée, donc nous avons sur la au fond à, donc à gauche cette commode d'IKEA. J'ai rajouté un bouquet de roses rouges pour suivre avec les canapés. J'ai mis mon miroir. Je l'ai simplement posé sur la commode et il y avait également un set de table vert pour suivre avec les rideaux. Donc les rideaux couleur vert. Donc ce sont des rideaux occultants pour ne pas voir à travers puisqu'il n'y a pas de persienne. Alors je les ai achetés à l'incroyable, donc ils ont déjà quelques années. Donc nous avons également le piano de ma fille pour décorer. Donc j'ai mis un sticker sur le mur. Donc il faut savoir que ma fille elle est une musicienne, une très bonne musicienne. D'ailleurs j'aimerais bien qu'elle fasse sa chaîne YouTube parce qu'elle a vraiment du talent. Donc après, dans cette entrée, nous avons mis également cette armoire qui passe tout juste sous le plafond. On a eu beaucoup de chance. En fait, on l'a trouvée à Emmaüs. Donc elle sert pour mettre les manteaux et les sacs. Nous avons également le griffoir pour les chats. Il faut savoir que j'ai 5 chats à la maison. Voilà donc pour cette entrée. Nous avons aussi un jeu de fléchettes, donc on joue là de temps en temps le dimanche, et le porte-chaussures pour mettre les chaussures quand nous rentrons. Alors au niveau de l'armoire, j'ai également mis un petit coussin en forme de cœur avec l'arrière, je ne l'ai pas montré, mais c'est le même tissu que les rideaux, donc en vert. D'ailleurs, au niveau de mes rideaux, je vais donc les changer. J'ai acheté donc ceci, ce sont des isolants thermiques doublés polaires. Donc je les ai trouvés à Centre Accor. J'en ai acheté 4 et donc ça va permettre de garder la chaleur dans la maison. J'en ai à peu près pour 100 euros. Parce que j'ai une petite fenêtre, enfin une fenêtre normale, plus une baie vitrée. Donc voilà, ils seront rouges. À la place des rideaux verts, je vais mettre des rideaux rouges. Par contre, je me posais la question, quelle couleur j'allais mettre au niveau de mes canapés, parce que ça va être rouge sur rouge. Si vous avez des suggestions à me faire, je suis preneuse. Parce qu'en fait, les canapés rouges avec les rideaux rouges, ça va faire charger. Donc, n'hésitez pas à me donner des idées de déco pour donc casser ce rouge, en fait, hein, qui sera imposant. Donc, je pensais peut-être acheter des coussins ou des plaids, mais je ne sais pas trop quelle couleur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de déco. En tout cas, moi, j'adore la déco. Je trouve qu'on est vraiment bien dans une maison quand elle est rangée et décorée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis.